Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alicia Kovtunov. Oui, tout à fait. C'est bien prononcé? Oui, c'est très bien prononcé. Voilà, soyez la bienvenue. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions toutes les semaines sur YouTube, les entretiens de la Glorieuse. Nous les publions le mardi depuis 8 ans. Voilà, donc vous êtes péruvienne, vous avez vécu en Biélorussie. Vous êtes mariée avec un Ukrainien, vous avez 44 ans, vous avez fait des études de droit en Espagne et à Amiens en Picardie. Non, ici. Ah, ici. Oui. Ah, je ne sais pas, je me suis emmêlée alors. Oui. Je Donc, suis française. ah, voilà, vous êtes Voilà. française, vous êtes en France depuis l'année 2000. Oui, ça fait plus de 25 ans maintenant. Ouais, 24 ans. Ouais. Vous n'êtes pas socialiste, mais vous avez voté Non. pour Delafosse. Bah oui, parce qu'il était avec les écologistes et comme maintenant il a les thèmes de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, donc ça m'intéresse que vraiment il y ait un D'accord. changement de comportement en fait. D'accord. Si. Vous êtes donc les étrangers à Montpellier, c'est au cœur de l'actualité, c'est un sujet éminemment politique, avec les résultats des élections. Que vous inspire la démocratie française depuis 3 semaines? C'est un peu plus autrefois la même histoire de la 12 ans, c'est autrefois la même histoire de la 5 ans, c'est autrefois la même histoire de la 20 ans, quand Marine Le Pen, il y a eu les 12e tours avec Chirac. Voilà. Et donc, du coup, ça fait beaucoup. En fait, ça fait beaucoup des moments en lesquels les Français ils doivent choisir entre un extrême ou ce qu'il reste. Et dans ce cas, en fait, moi j'ai l'impression que le Français il doit choisir entre deux extrêmes. Et ça, c'est mal, parce D'accord. que c'est pas démocratique, en fait. Alors, ça a été très dur de vous avoir, Ouais. hein. Vous avez Ouais. donné 3 fois votre accord, 2 fois vous avez refusé, et finalement vous avez accepté au nom de la liberté d'expression. Tout à fait. Donc vous êtes courageuse et je vous en remercie. Merci à vous. Parce que le courage, c'est souvent ce qui manque. Parfois, ouais. Donc vous avez démissionné du Conseil des étrangers de Montpellier, vous étiez très déçue et dégoûtée par le gaspillage d'argent public et les élus qui s'affichent. L'utilisation de fonds publics par la mairie dans un but politique. Et vous êtes aussi à l'origine de SOS Ukraine. Bon, à commence, oui. En fait, j'ai fait l'appel pour que les gens puissent venir. Et pouvoir créer l'association, elle commence, mais j'ai refusé de travailler avec les élus de maire parce que je voyais en fait qu'il y avait des intérêts en fait. Et je voyais que vraiment la gestion de cette association n'était pas quelque chose de droit, en fait, de correct. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut pas que j'entre dedans, il faut partir. J'étais élue, j'ai resté élue 2 jours et je suis partie. D'accord. Donc, Donc avant de passer aux questions, là, vous avez commencé à répondre, parce que vous êtes bavarde. Ah oui, partout. Donc la ligne du numéro 1090, la Glorieuse, donc législative, Auziol, reine du Clapas. Les résultats montrent un Montpellier politiquement isolé dans son territoire aux alentours. Voilà. Castelnau, le tribunal administratif épingle 30 ans d'urbanisme débridé. Un autre article. Zoho, Michaël Delafosse fait-il l'autruche? Et enfin, Édouard Philippe dans l'Hérault, l'après-Macron débute. Voilà les sujets que nous traitons cette semaine dans le journal. Donc, Alicia. Oui. Alors, on dit que Michaël Delafosse est un maire atypique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est un bon maire pour Montpellier? Bah, un bon maire pour Montpellier. Maintenant, je crois que beaucoup de Montpelliérains, ils sont déçus, en fait, de notre maire parce qu'on attendait plus de choses en le sens social, la préoccupation des citoyens. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé aux quatre boulevards. On a vu ce qui s'est passé par rapport à par exemple, les associations, entre parenthèses, parce que bon, il a ces associations à qui il protège, il invite, etc. Il y a des associations à laquelle non, il ne protège pas, parce que c'est des associations qui ont été créées avec l'ancien maire. Donc, il y a tellement de conflits d'intérêts que vraiment, non, moi, je ne trouve pas que ce soit un bon maire. Vous ne trouvez pas que ce soit un bon Non, maire? parce que pendant l'époque des Sorel, c'était plus pauvre Montpellier quand même. C'était mieux, en fait. Les gens étaient plus corrects, en fait. Y avait plus de respect.
plus de respect et même et la collecte des ordures. Quand on commence par les ordures, c'était même Antigone. Avant, on n'avait pas des ordures n'importe quel jour, Antigone. Tout était recollecté. Et maintenant, oui, on voit plus souvent ces problèmes, en fait, à laisser aller, quoi. Alors, vous êtes péruvienne, vous vivez dans une ville où la place principale, c'est la place du Pérou. Est-ce que c'est gage d'ouverture sur le monde d'appeler Oui. sa place la place du Pérou? Oui, mais la règle à voir avec le Pérou. C'est Ça n'a la rien à voir avec Pérou, le ça Pérou. a rien à voir avec le Pérou. Mais c'est joli la place. C'est une belle place. Avec Louis XIV? Oui, bon. Oui, Le après roi les goûts, Soleil? les rois soleil, fantastique. Oui, moi je trouve une belle place, oui. Donc, Mais je trouve qu'il est un peu délaissé aussi. Ah oui. Je trouve ça aussi. Parce qu'en étant monumentale comme elle est, elle devrait avoir un chemin monumental, etc. Mais il ne faut pas donner des idées au maire, hein, parce que ne va pas être qu'il dépense 40 millions de plus, hein, pour faire ça. Non, il a beaucoup d'argent, il a dépensé 100 millions pour la place de la Comédie, il en trouvera 40 pour le Pérou. Bah, j'espère, mais bon. Donc, il y a eu les résultats des élections législatives. Est-ce que vous avez peur? Oui. Vous avez peur de quoi? De les deux extrêmes. Désolée de le dire comme ça. Je sais que. Je peux parler objectivement, franchement, les deux extrêmes. C'est comme que on est les Français qui ont veut vraiment de la République, qui ont veut vraiment, en fait, de tout ce que c'est. Les valeurs fondamentales, la fraternité, l'égalité. Et on se retrouve quelque part coincé, en fait. Et c'est deux extrêmes. Cette fois-ci, il faut que les gens s'arrêtent de dire, est-ce que cette gauche qui se présente, c'est un gauche qu'elle est, comment dire, elle est humaniste, entre parenthèses. Non, c'est cette gauche qui s'est mise d'accord, parce que Mélenchon, beaucoup, il a lavé les dictateurs latino-américains. Je viens des pays qui sont, comment dire, de voisins. On a le Venezuela, qui c'est une grande dictature. Et quand on écoute Mélenchon dire que le Venezuela va bien grâce à la politique qu'il y a en Venezuela, je trouve que c'est inadmissible, c'est honteux, en fait. Et donc, non, 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 ce type de goût, oui. En votre qualité étrangère, est-ce que vous comptez rester en France en cas d'arrivée de Jordan Bardella à Matignon? Je pense que beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes de différentes communautés se sont menacées et qu'on veut partir. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en Twitter en train de dire qu'ils vont partir, en train de préparer la possibilité d'aller ailleurs. Mais vous savez quoi? C'est drôle. Moi, je n'ai pas seulement peur de Jordan Bardella. Moi, j'ai peur aussi de la gauche qui vient, de une gauche incompétente, hein, qui détruit les pays, que ça devient une hyper-hyper-inflation d'ici à 12 ans en France, parce qu'ils ont fait trop de populisme, et qu'on est dans une période inflationnaire quand même. Imaginez-vous, pour vous dire comme ça, et mon pays d'origine, il y a eu, on a eu presque 1000% d'inflation. Les pires années que les gouvernements socialistes ont appliquées, le populisme. Et après, on a eu une grande crise économique, il y a un fossé. Et je sais que la France s'appelle Pérou, mais je ne veux pas voir la France détruite pour un système populiste, en fait. Et le Conseil des étrangers, là, qu'a instauré Ouais. Monsieur de la Fosse, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez Bah. nous expliquer? Oui, en fait, à comment on était élu, il y avait trois collèges, en fait, on était 70. Et il y avait des personnes de l'immigration, en fait, des associations qui travaillent pour l'immigration, o sea, tout ce que c'est les réfugiés, etc. Il y avait aussi des personnes qui sont des entrepreneurs, un collège des entrepreneurs, et les personnes comme moi qui sont des collèges citoyens. On était en total, en fait, 70. Et on est resté 10 parce qu'en 12 ans, on n'a rien fait, en fait. Et donc, ils nous utilisaient simplement comme des pions politiques pour pouvoir nous montrer dans les réceptions de la mairie, pour qu'on allait dire oui, est-ce que Monsieur de la Fosse se préoccupe pour les étrangers?
Oui, mais si de la France fait des projets pour les étrangers, mais ça fait 12 ans qu'on ne fait pas aucun projet. Et la unique fois que j'ai interpellé Monsieur de la France en le conseil, on a fait une assemblée générale, et je lui ai demandé pourquoi on ne travaille pas sur la glottophobie. En fait, oui, il a dit que oui, qu'il était d'accord, qu'il fallait travailler sur la glottophobie, qu'il avait son opinion, mais qu'il ne fallait pas travailler sur ça. O sea, que oui, qu'il était d'accord qu'il y ait des luttes contre ça, mais qu'il ne fallait pas travailler comme ça. Et nous, à plusieurs reprises, on a demandé pouvoir parler avec des fonctionnaires publics, que ce soit de autre bord, par exemple, les préfets, et demander de l'inviter au conseil pour pouvoir déjà les rencontrer et pouvoir les dire les difficultés qui existent pour les étrangers pour faire leur documentation administrative, etc. Et ils nous ont dit non, pas inviter le préfet, etc. Que ça doit rester D'accord, je comprends. que deux Il parties en y a fait. combien de personnes aujourd'hui? Il reste combien de personnes dans cette... Une dizaine, et parfois six, parfois quatre dans leurs réunions, et parfois il y a des gens qui se présentent pas du tout dans leurs réunions, y Quel compris moi. profil, quels sont les profils des Il y a gens? de tout. Il y a des gens de l'immigration qui ont fait des grandes études. Il y a des gens qui travaillent à l'université. Il y a des gens. C'est les étrangers qui ont fait beaucoup de parcours ici, en fait, qui sont intégrés, complètement intégrés. Et bon, je crois que tous, ceux qui ont répondu à l'appel de Monsieur de la Fosse pour aller au conseil, on avait l'envie de que ça change quelque chose à Montpellier vis-à-vis de l'étranger, mais pas pour être utilisé simplement, pas pour faire lobby, pas pour être derrière quelques aides ou quelque chose comme ça, en fait. D'accord. On attendait un changement, Et en alors fait. pourquoi vous avez démissionné? Parce que quand je me suis dit, j'étais discriminée 2 fois en 3 semaines avant les européennes. J'ai demandé de l'aide au conseil. Je les ai dit à mes collègues s'ils connaissaient une association ou quelque chose, une structure qui puisse m'aider à porter plainte ou m'accompagner dans tous ces processus. Et personne ne connaissait. Donc, si on est dans un conseil des étrangers, comment c'est possible qu'on ne connaisse pas le minimum que c'est défendre à les étrangers? Ils sont en permanence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent à les étrangers qui arrivent à leur permanence. O sea, comment on peut aider quelqu'un si simplement on dit, ah, allez à SES Racisme. Et SES Racisme ne répond pas. Donc, comment on peut le dire à un étranger, oui, et tu vas trouver un logement peut-être vis-à-vis de l'association en toi. Et on envoie les gens à faire des tours sans savoir s'ils vont vraiment être aidés ou pas. Et c'est ça qui m'a fait réagir parce que j'avais déjà demandé à 2 reprises de l'aide pour des autres personnes pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux pour pouvoir arriver à leur intégration. Il m'a été refusé, en fait, ils m'ont dit non, on ne peut pas rien faire, mais il y avait 20 associations ou quelque chose comme ça, il y avait beaucoup d'associations. Et je crois qu'en ce type de réseau, on doit s'aider pour pouvoir aider les gens. Ce n'est pas pour simplement aller faire les selfies avec les maires. Vous avez été, est-ce que vous avez été irrespectueuse? Oui, Oui? et à la fin, oui. Mais à D'accord. commence, non, parce que moi, je dis les choses claires, en fait. Mon problème, c'est qu'il n'est pas trop clair. Et les gens, ils n'aiment pas quand on les dit les choses. Et ils n'aiment pas quand on les dit, oui, moi, je connais mes collègues, ceux qui sont restés, certains, c'est des gens qui sont en intérêt. D'accord. Sinon, ils ne sont pas là, en fait. Est-ce que vous avez... Est-ce que, alors, on a écrit un article, là, il y a quelque temps, disant que le Conseil des étrangers, il y avait des parrains, il fallait une sorte de parrainage, et que les Oui, parrains il voulait. étaient des élus. Oui. Donc, Les parages républicains, il a. ça sent un peu le conflit d'intérêts, quoi. Les C'est-à-dire qu'il parages. fallait être un bon étranger pour être au Conseil des étrangers. Entre parenthèses, oui, mais nous, on est sortis au sort. Bon, selon eux, moi, je suis sortie au sort. Donc, j'ai envoyé un formulaire. En fait, j'étais sortie au sort pour pouvoir être dans les conseils. C'est ce qu'ils nous ont expliqué, comment on était élus.
Mais par rapport au parrainage républicain, c'est autre chose en fait. C'est rien à voir avec le conseil. Le conseil voulait faire son propre parrainage, son propre projet et tout ça, mais ils ne l'ont pas laissé. En fait, c'est une chose de cellule, ça. On parle beaucoup de Oui. politique inclusive. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup Non, d'inclusivité? non, non, non. Tout c'est franchement, c'est des people, en fait. C'est fait pour attirer les étrangers. Ils disent oui, on les aide, oui, on fait la fête. Par contre, pour financer les fêtes, là, c'est les premiers. Parce que franchement, c'est comme en Rome, hein. On donne les fêtes, et comme ça, le peuple est content. Et après, on oublie les petits tracas de la vie, en fait. Alors, il se dit que les subventions données par les Russes, données aux Russes, aux associations russes, par Philippe Sorel, ont été redirigées aux associations ukrainiennes. Moi, je ne sais rien de ça parce que franchement, moi, 2 jours, j'étais présidente. Après, j'ai démissionné, j'ai laissé la Ah, vous avez présidente. été présidente 2 jours. Oui, 2 jours. Je suis la présidente la plus précoce. Mais je l'ai laissé parce que franchement, je voyais qu'il n'allait pas pouvoir travailler ni avec la mairie, ni avec quelqu'un d'autre parce que je voyais. J'ai voulu plus m'écarter. Parce que l'urgence humanitaire, en fait, à l'époque que s'est fondée l'association, était plus primordiale que je puisse pas travailler avec eux. Donc c'est pour ça que je suis partie, j'ai fait un pas de côté, j'ai laissé quelqu'un là-bas et c'est tout. Ouais. Alors concernant les étrangers, là il y a un chargé de mission qui s'appelle Nathalie Elmol, là, qui s'occupe de l'Afrique Oui. au cabinet ou dans l'entourage de Michael Delafosse. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que qu'il devrait pas avoir une préférence pour une nationalité ou pour un continent en spécial. Pour l'Amérique latine, il n'existe pas encore, en fait, quelque chose. Et si vraiment on veut s'ouvrir à tous les continents, en fait, ça devrait être égal pour tout le monde. C'est comme maintenant pour les élections. Monsieur Delafosse, il nous donne des consignes de vote à tous les Montpelliérains qu'on a voté pour lui. Et il est le maire de tous. Il n'a pas à nous donner des consignes de vote. Même si son parti est impliqué dans tout ça, il n'a pas à nous donner des consignes parce que nous tous, on est Montpellierin, c'est notre mère. Est-ce que ce qui se passe en France intéresse vos amis à l'étranger? Oui, il y a beaucoup qui me disent ça, sors de là. Sortir de là. Oui, sors de là, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se peut arriver, les gens ils sont très fous, Ah etc. Oui, à tel point que la décrétion des Français, c'est devenu des personnes racistes. Des personnes moi, franchement, j'ai pas eu de racisme vraiment jusqu'à moins d'1 an. En fait, j'ai pas connu le racisme. Vraiment. C'est quand j'étais plus jeune, j'ai pas connu le racisme, mais je l'ai vu ailleurs. Vous avez Avec connu des le autres. racisme en France? Ah oui, avec des autres nationalités, oui. D'accord. Mais Mais avec avec les la mienne, Français? non. Oui, parce que des Français qui, par exemple, ils ne s'aiment pas les Africains, il y a beaucoup. Et au Nord-Pas-de-Calais, dans tous ces endroits-là, en fait, parce que j'ai vécu au Nord, et j'ai vu des choses qui ne sont pas compatibles avec, comment se dit, un système normal, démocratique et solidaire, en fait. Ouais. Très bien, Alicia, je vous remercie.